des prêtres que tout le monde aimait dans la région. C'était connu, les Montibérines. Tout ce que je peux vous dire, c'est donc cette affaire, en ce qui nous concerne, gouvernement et peuple algérien, nous sommes totalement sereins. Nous coopérons totalement, je le redis avec force, avec le juge, les juges français. Il y a deux sortes de gens dans ce monde. Il y a les dominants et les dominés. C'est qu'il y a une excellente coopération qui existe entre les deux pays en matière judiciaire. Donc c'est une affaire qui est suivie par des magistrats. Récemment, le juge Trévidji s'est déplacé à Alger avec des experts. Ils ont travaillé en totale collaboration, je dis bien en totale collaboration, avec des experts. Des prélèvements ont été effectués. هذا القاضي الفرنساوي جاكم لهنا الجزائر وكلتوه وشربتوه واستقبلتوه وديتوه للمدية وديتوه للمقبرة وما زال الآن يزيد يحوس يدير تحقيق احنا أولى الناس احنا أولى الناس نديروا تحقيق في الأخ عبد القادر الحشاني رحمه الله ونديروا تحقيق في كل ما حدث شكون اللي حبس الانتخاب شكون اللي نحى الانتخاب ولأن كل ما حدث هو من آثار اغتصاب الإرادة الشعبية التوقيع على عدة اتفاقيات تخص قطاعات الدفاع، الصناعة، التعليم العالي والبحث العلمي، الصحة، النقل، الفلاحة والرياضة. مجالات حيوية للدفع بالعلاقات الثنائية إلى أرقى مستوياتها. ها يا سيدي بلاد كل البيعي. نقعد فيها وحدنا ولا واش؟ C'est aussi très important à mes yeux, c'est que des entreprises françaises puissent s'installer en Algérie pour produire en Algérie, et c'est aussi aider les investisseurs et les grands industriels algériens à venir s'implanter en France. Et je n'oublie pas que dans les derniers mois, plusieurs de nos entreprises françaises ont aussi été sauvées par des investisseurs algériens. Et je n'oublie pas que dans les derniers mois, plusieurs de nos entreprises françaises ont aussi été sauvées par des investisseurs algériens.